Résumé de Koh-Lanta, je viens d'arriver de ma dédicace. Koh-Lanta a déjà commencé, mais j'essaye de le faire le vendredi quand même. Peut-être que pendant la pub, j'essaierai de faire un direct. Voilà. Sur le camp réunifié, l'aventure continue. L'épreuve de confort. A mon avis, c'est pas passé grand chose. Quoi, la murène? T'as faim? Bon, je vais lui donner de la vache qui rit. Le cadeau, s'il gagne le truc de la boue, c'est d'aller dans une famille qui fait de la noix de cajou. Et donc, du coup, il y aura un repas aussi. Mais j'aimerais tellement que le repas, ce soit que de la noix de cajou. Ça doit être tellement triste. Grillé ou pas grillé? Yesta n'arrive même pas à porter son seau. Plus de cheveux, plus de boue. Logique. Sartre l'a dit. Yesta a choisi Jérémy. Ça va baiser dans la noix de cajou. En tout cas, si la presse people dit vrai, et donc Yesta maintenant sort avec Benoît, revoir toutes ces images, voir Yesta partir avec Jérémy, la romance entre Yesta et Jérémy, Benoît, ça doit un peu lui mettre les boules quand même. Genre, tu vois ta meuf avec ton ex tous les vendredis soirs. Ta meuf avec son ex tous les vendredis soirs. Bah, c'est un peu la loose. Mais c'est quoi ce fruit? C'est la noix de cajou? On dirait une pomme avec une bite. Ils doivent aller sur le camp des rouges et il y a un truc en chemin, une surprise. Stéphane, il va à tout prix distribuer les lettres. Ça le fait marrer parce qu'il est postier et les autres ils en ont rien à foutre. Bah non, bah pourquoi? Mais c'est mon métier. Julie, rien que l'enveloppe, elle est déjà en larmes. Pas d'accusé de réception. Ah là 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 là. Ils vont tous se planquer pour pleurer. Ah, Julie, elle pleure. Mettre une photo de son père décédé photocopiée dans le truc, c'est quand même. Bon, je peux pas me moquer. Je peux pas. Il y a des moines. Yesta est morte de rire car elle prie devant les moines. Et comment ils sont filmés, les moines? On dirait qu'ils les regardent même pas, qu'ils les ignorent. Tu vous racontes un peu. T'aimes bien Koh-Lanta, Ten? T'aimes bien Koh-Lanta? Pas trop. J'aime bien Denis Brognard. Bah ouais, il est beau gosse. Puis surtout depuis qu'il a une petite beubare. Maman, on peut commencer à t'enlever? J'adore quand mon chat se couche sur moi. C'est rare. On kiffe Koh-Lanta dans la télé tous les deux. Hein. Avec les calendriers du Kinder, vous allez aimer à Noël. Et en ce moment, après ça peut en faire, vite chez vous. Ils prennent feu! Attends, non! Ils ont trop chargé le feu, la cabane prend feu! Le premier incendie de Koh-Lanta! Voilà! Julie qui chante les sept nains! Eh, elle a dit faut retrousser ses manches. Et elle avait un t-shirt. Si tu retrousses les manches d'un t-shirt. T'as l'air con. Épreuve d'immunité. Est-ce que Benoît va gagner une épreuve d'immunité? Et comme ça avoir deux immunités? Ce serait trop cool. Ludivine et Yannick gagnent, mais c'est parce que les autres sont éliminés. Ludivine est hyper heureuse, veut taper dans la main de Yannick, et Yannick lui par contre s'excuse aux autres en disant je suis désolé que vous n'ayez pas suivi le parcours. Ludivine, elle est tout le temps à côté de la plaque. Ludivine et Yannick seront pas jetables. Ils vont avoir l'immunité. Deux jaunes. Bon, là, ça y est, ils commencent à essayer de fomenter des trucs. Rouge, jaune. Yesta essaye de passer du côté des rouges. Mais je pense que les rouges vont continuer à éliminer les jaunes. Et je pense qu'on voit vraiment énormément Freddy dans cet épisode. Donc, à mon avis, Freddy va sauter. Putain, mais il se passe rien dans ce Koh-Lanta. Julie, elle est inexistante. Il se passe rien.
Les jaunes et les rouges, maintenant, ça existe quasiment plus. Maintenant, c'est les vieux et les jeunes. Et les vieux se plaignent parce que les jeunes n'ont rien branlé, comme d'hab. La mousson est arrivée. Qu'est-ce que ça change? Il pleut, Denis. Candice, Julie, Yannick, tout le monde vote. N'importe comment. Je sais pas pourquoi, moi, pour moi, c'est Freddy qui partait ce soir. Que de noms dans ce Koh-Lanta cité. Ah, Yannick, Julie, ça y est. Bon bah Yannick. Ben oui, Candice elle est forte au jeu. Yannick. Voici le vote noir, celui d'Alexandra. Il y a beaucoup trop de sons, Koh-Lanta là. Il y a des bruits de machette tout le temps. Candice. Ah, le vote noir. Ça peut changer les choses. Ce dernier bulletin peut être décisif. Oui, Denis. Mais la prod, elle a bien mis les choses dans l'ordre. Candice. Yannick. Yannick. Denis, il lit pendant une heure. Prenez votre sac, allez récupérer votre flot. Et voilà. Et venez me rejoindre. Les rouges continuent. Normalement, la semaine prochaine, le Koh-Lanta sera en direct. Avec un invité, mais il faut que je redemande à l'invité s'il s'en rappelle, et s'il s'en rappelle, il y aura un invité, voilà. À bientôt, des bisous, ciao. Bon bah pas de Koh-Lanta la semaine prochaine, donc je vais dire à mon invité que c'est pas la peine, vu que la semaine d'après je suis en dédicace à Lyon. Voilà, tout tombe bien, super. Rendez-vous à Montpellier ce samedi à Planète BD, voilà. Venez me voir, je suis gentil. Bon. Ça dépend avec qui, mais il y a des gens avec qui je suis gentil. Il y en a d'autres, mais il y en a... Alors, soit vous serez, ça on sait pas. Tant que vous venez